Ce lundi 7 août, de nouveaux troubles ont éclaté à Kinshasa et dans la province du Congo central. Ils auraient fait au moins 12 morts selon le bilan officiel. Nous adressons nos pensées sincères à leurs familles, à leurs proches. Nous déplorons ces nouvelles victimes du régime de Joseph Kabila. Cet épisode de violence, qui vient s'ajouter à tant d'autres depuis plus d'un an, a été pensé et exécuté par le régime dont la stratégie est claire. Faire régner le chaos dans le pays afin d'instaurer l'état d'urgence et ainsi créer un environnement propice à son maintien illégal au pouvoir. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette stratégie criminelle. Elle révèle, pour ceux qui en doutaient encore, le vrai visage de Joseph Kabila, qui sacrifie des vies d'innocents pour parvenir à son objectif de pouvoir à vie. Debout, Congolais. Refusons ces manœuvres macabres. Exigeons le départ d'un régime illégal, illégitime, incompétent et criminel. Dès demain et le jour suivant, suivons massivement l'appel aux journées villes mortes.